Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sous Palmis et Akmapoulakay. Je dis à nous, on vient soulever une situation et de un petit bonhomme qui seulement gagne 9 mois, un petit monde, dans le lycée Haut-Lector, qui a mené une bataille avec le département Children and Family dans Florida et décision qu'il prend là. En plus, le monde pensait que c'est vraiment un scandale. C'est ainsi que. Et en fait, différents monde qui influencent, notamment des priorités, en fait, pour dénoncer et parler des situations, ça pour qui gens sont capables de changer des décisions, ça. Et moun a parlé à li fait dans Broward County. Et maman li, c'est nous capables de dire un trouble mother. Quand ça veut dire, trouble mother, il dit, un maman qui est responsable, qui a fait abus, qui a fait violence, moi. Et donc, li perdit, maman perdit custody de Timouna parce que li gagnait problème mental. Son maman qui a battu avec problème mental. Et donc, li perdit, ça n'a pas les droits que normalement, maman gagne sous petite, li gagne trois Timouna, li perdit droit sous tous les trois Timouna. Donc, li perdit droit sous tout le trois Timouna. Et maintenant, dossier, en fait, gagné et. En fait, pas bien de parler de trois timoun, gagne deux dans l'autre timoun sa yo, que yo permettent que Sandra les foster child et lever au pas bon ici aux États-Unis. Ok? N'a pas rappelé que c'est des séries de timoun qui fait pas bon ici aux États-Unis, yo gagne tout droit à que yon US citizen gagne. Et ça passe là, c'est que et département Children and Family dans Florida t'a décidé que. Et Timoun sa ki gen 9 mwa, se bay gran ni pou yo ta vwe lan Haiti. La mwen, en fèt, mwen mette des imaj de Haiti pou moutou nan ki sa kou vle. Vwe tounen yon Timoun 9 mwa nan peyi de Haiti. Et se yon Timoun ki maladif, ok? Donk nan peyi, kote ke nou konen jounen jou di a jwen lo l'opital, se preske yon veritab luks. Donk, et Circuit Judge deside ke 9 mois, Hector, qui c'est US citizen, normalement, parce que c'est bon ici de l'appel, et que yo supposé voyer le bay grand, maman, kap vive dans une région montagneuse, et maman, pour les grands en Haïti, qui pas même gros encore. C'est Florida Foster Family qui l'a vêti, moun ça depuis l'été, une semaine. Ok, donc comment comprendre? Un petit monde comme ça, on va voir dans le pays, kidnapping, misère, insécurité, catastrophe. Donc, il y a des groupes de monde justement qui voulaient attaquer dossier ça à la justice. Ils ont fait leur soute pour que les gens soient capables de faire et petit monde ça. Nous voulons parler de Hall Hector, pas bon ici aux États-Unis. Ils pensaient que c'est vraiment une décision scandaleuse. Et un pays n'est pas collapse, c'est pas bon mot collapse, ça il pas même bien sens li et gang qui a bloqué route et, donc qui veut dire que ou pas même bien accès pour te déplacer si tu as besoin de l'hôpital. L'hôpital d'ailleurs, il y a plusieurs hôpitaux qui ferment, on va bien parler de l'école. OK, pas de gaz, on va être chargé. Choléra met sous l'outbreak. Donc et département d'État averti que les US citizens pas supposé même à l'Haïti. Nous connaissons sur l'ambassade là, ils ont dit niveau 4. Et même si second citizen actuellement là, US citizen qui vivent en Haïti, dégagez ou retirez quoi dans ça. Donc comment comprendre que, en vertu de tout ça, dit là, pour que Circuit Judge décide que petit ça qui a 9 mois, au lecteur, décision, je pense que c'était voué par grand ni. Donc c'est ainsi que il y a plusieurs articles qui paraissent. Donc nous-mêmes nous te voulons justement pointer du doigt et causer ça. Même lorsque pas de sécurité, bah tout le monde connaît le système de santé en Haïti, sont bah problématiques. Et Hector Medesoulio dit c'est un petit monde qui gagne ça dans les heart murmurs. Donc on s'appelle les heart murmurs là, c'est ce qui n'est pas très grave, mais c'est le fait que Timoun n'a pas fonctionné normalement. Et il est capable de besoin d'un capable d'insertion, pour insérer et tube
dans les oreilles pour infection qui était causée par fluid accumulation et dans les oreilles. OK? Et donc, c'est vraiment une situation qui est inacceptable. Gagné Tamara Simon avec Marie-Lie, et yo même qui t'a pris soin et ti bonhomme ça et Hector depuis semaine yo entré dans bataille ça et yo adressé à tout le monde dans la communauté a pour soulever justement scandale ça pour capable mettre un point. OK, mais nous voulons dire pendant n'a pas avec quoi son décision qui prend et ti bonhomme ça normalement si pas rien qui fait si pas rien qui dit si pas grand ken force de pression yo capable voyer dans pays d'Haïti n'importe là. Et c'est pas bon ici lui. Bon, il va comprendre bien. Il va pas dire au déporté. OK? Il va pas dire au déporté, c'est US citoyen. Donc juge l'a trouvé que pour lui-même c'est côté pour l'état mieux approprié c'est Haïti. La grande grande, il pas juge l'a parlé de papa tout qui Haïti mais certes papa l'Haïti mais pas grand quelle information qui dit que papa ça que nous connaissons plusieurs histoires mon là. Les dieux sont papa, il y a plusieurs histoires comme ça. Mon là doit papa, pas même au courant de tout monde même. Là donc valait papa donc yo pa même gen information ça. OK, so alors nous pensons que c'est voyé justement monsieur non véritable enfer nous pas besoin perdre le jeune jeudi à Haïti c'est un véritable enfer nous entrer que nous rappeler pour que décision ça rentrer dans ça n'était capable les bataille sous qui monde qui t'a supposé gen cost dit et dans quartier monde ça yo gen trois là-dedans yo. En fait, c'est quatre petits mouns qui ont gagné, il y a trois petits mouns dames qui n'étaient pas bien, qui ont permis d'adopter déjà. Et donc, alors que quatrième dans la décision de préférence, c'est dans le trouble ça, et côté et manger son luxe et santé, causer l'hôpital, on n'a pas besoin de parler de ça. Et c'est Boabatiku George, José Iscueldo, qui lui-même t'est statué du côté de l'autorité welfare. Vous connaissez, Florida, il y a un parti dirigé par les républicains, c'est l'autorité welfare yo, qui a yo même décidé et que toi, tu as supposé placer et sous custodie Granny, parce que yo dit c'est lui-même qui est close avec elle. Donc, yo dit décision, ça a pas réuni et Hector avec un autre petit qui va dans notre grand gagner dans mes grand ni qui Haïti on va rentrer ici et il dit la tout prépare parler et alors que nous avons information c'est que Hector maman le pas marié avec papa il était juste gagner un petit monde. OK, et pas grand quelle information qui montre que papa ça intéressé dans petit monde. OK, donc il est clair que c'est une situation côté qui est capable de dire ça. Il y a dumping, bourré, vide, yon ti moun, nan yon san de kapabrete, rele yon actif volcano. Son volcan actif la. Dompe vre moun en Haïti la, c'est entre fou reli, non volcan kap pété di fe. C'est des scénarios qui sont capables d'écrire justement. Donc, personne moun pa comprendre qui urgence qui gagne pour voyon ti moun. Dans le pays d'Haïti, ça à côté que ça nous a relé et nous capables de dire que c'est pratiquement son pays qui est en état de guerre, donc c'est inacceptable. Donc, justement, il y a une sonnette d'alarme qui est soulevée pour attirer attention sur le cas particulier ça, qui yo pensé et c'est une situation et d'injustice. Et donc si vous cherchez joindre qui ça qui n'a plus bon intérêt ti moun nan ou ta supposé joindre tout facteur yo dit c'est le fait que et maman te vle pour ti moun ni al joindre grand ni tel n'est pas la question c'est ça qui plus bon c'est intérêt ti moun nan d'ailleurs nous reconnaît que yo dit tête maman pas bien. OK, so donc juge l'a dit bon grandan c'est son monde qui calme et donc en parlant de grandan bon pas même quand grandan étant de temps de parler de lui juste personne monde pas ca imaginer histoire ça là volontiers monde dans pays d'Haïti suivant circonstance ça yo gang deadly attack
Et c'est à ne comprendre. Donc, l'idée, c'est soulever attention sur situation ça et qui yo pensez que si tu as une situation d'injustice, et ouais, dans quelle mesure et juge sur ce dossier, ça a été capable de changer le coup et permettre que Hector capable de pas ici aux États-Unis. Nous-mêmes, sans ça, nous sommes une situation qui est alarmante. Nous devons pointer du doigt la situation ça et pour capable soulever voix nous pour Hector qui gagne 9 mois. Il va pas dire déporter, non, puisque c'est un US citizen qui aurait pimpé dans le pays d'Haïti ou par contre sous qui base. Donc voilà, guys, nous devons attirer attention pour vous causer ça. C'était un grand plaisir.